Autre initiative pour lutter contre la vacance commerciale tout en aidant les porteurs de projets. Partons dans l'Orne. La Chambre de commerce et d'industrie ainsi que la ville de Flers viennent d'ouvrir leur première boutique test. Damien Mignot et Emilien David nous expliquent le concept. L'ouverture n'est pourtant pas officielle et pourtant Noël Ballon enregistre ses premières commandes. Broderie, impression en tout genre, une activité qui n'aurait pas vu le jour sans l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie. On était quand même accompagné au niveau d'un banquier, au niveau d'un comptable. Donc voilà, j'ai été quand même très très guidée à ce niveau-là. Et heureusement, parce que c'est quand même, ouvrir un commerce, c'est quand même assez lourd à porter. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à penser. Et voilà, faut vraiment penser à tout. Donc la boutique test était là vraiment pour m'épauler. Parallèlement à cet accompagnement personnalisé, la CCI s'est mise en chasse d'un local vacant et d'un bailleur compréhensif. Car l'idée est de jouer les intermédiaires afin de débloquer certaines situations. L'idée, c'est d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. L'objectif, c'est que autant Madame Ballon que M. Hédon, le propriétaire du local, chacun y trouve son compte. Chacun fait des efforts de son côté, mais tout le monde est gagnant. Depuis plus d'un an, ce magasin proche de l'hypercentre était inoccupé. Le bailleur a décidé de revoir ses exigences à la baisse et de parier sur l'avenir. En ce qui me concerne, j'ai vraiment joué le jeu dès le départ. Mon loyer que je pensais mettre à 500 euros mensuels, j'ai dit écoutez, voilà, je suis même prêt à laisser la première année à 150 euros par mois, passer à 250 la deuxième année, puis à 350 la troisième année. Un loyer raisonnable qui va permettre à Noël Ballon de réaliser son rêve en ayant sa propre boutique. Je ne me réalise pas encore tout à fait encore maintenant. Je pense que vraiment quand l'ouverture et quand les clients rentreront, là oui, je me dis ça y est, c'est bon, j'ai réussi.